Salut à tous, je vous présente mon week-end au salon de l'automobile de Chambéry. Chérie. Oui. Bah, en fait, je t'ai pas dit, mais toi, je t'ai amenée au salon du mariage. Quoi? Bah oui, surprise, c'est pas le salon de l'auto. Mais on n'a pas prévu de se marier. Bah justement, pourquoi est-ce que je t'ai amenée ici, à ton avis? Les voitures. Et depuis le temps qu'on est ensemble, il serait peut-être temps que tu fasses ta demande, non? Bon, ok, je m'étais bien fait avoir. Mais maintenant que j'étais entré, autant visiter. Je ne me suis pas trop attardé dans les bagues, car j'ai tout de suite trouvé une superbe paire de chaussures. Mais laissez-moi vous dire que pour trouver un costume assorti, c'était une autre paire de manches. Oui, oui, je t'ai vu, Jean-Pierre. Autant vous dire que le choix n'a pas été aisé. Ah, tiens, ils sont super réalistes, ces mannequins. Non, vraiment, il y a trop de choix. Le mieux, c'est que j'essaye. Alors, comment vous me trouvez? Plutôt pas mal, non? Madame à l'écharpe, je peux avoir votre avis? Oui, oui, je sais, je fais souvent cet effet-là. Non, pas de photos, s'il vous plaît. Et toi, chérie, tu n'essayes rien? Si! Alors, comment tu me trouves? Pas mal! Eh oh, ça va, vous excitez pas, les mecs, c'est ma femme! Pas encore! Et toi, petit malin, tu crois que je ne te vois pas la prendre en photo? Tu vois, il serait temps de me demander en mariage. Ça va, j'ai compris. Mais couvre-toi un peu plus, on parle de mariage, là. Ouais, tu sais, aujourd'hui, on met plus rien hein, sous les robes de mariage. Non, t'es pas sérieuse. Eh ben, c'est le curé qui doit être content. Bon, j'aimerais bien boire une coupe de champagne. Ah, c'est pas pour moi. Monsieur, une coupe avec des bulles, s'il vous plaît. Des bulles? Faut que je fasse des bulles. Je fais des bulles. Votre bonne santé. Hein. Très amusant. Bon, ça suffit, une coupe de champagne. Eh ben voilà, allez. Ching. Ensuite, je ne sais pas si c'est l'effet de l'alcool, mais tout le monde s'est mis à faire des trucs trop bizarres. Un homme a fait sa demande de mariage par téléphone. Ah ouais, génial. Une femme s'est réincarnée en Johnny Hallyday. Et pour couronner le tout, deux autres ont chanté du gospel et tout le monde s'est mis à danser. Mais certains, comme pour la robe, n'étaient pas du tout dans l'esprit cérémonie religieuse. Comme ça devenait carrément dément, j'ai préféré voir d'autres stands comme... non plus... Oui, comme le maquillage, la coiffure... Quelque chose de normal qui va doucement... Comme des extraterrestres... Oui, pourquoi pas si ça détend après tout. Il ne faut pas y aller stressé à un mariage, et c'est pas eux qui vont me contredire. Faut savoir prendre du bon temps. Et si on goûtait à... Viens, on va plutôt aller voir les endroits romantiques pour se marier. Mais je ne t'ai pas encore demandé en mariage. Il serait peut-être temps. Bon, alors, qu'est-ce qui te plairait? Un mariage à la Pérelle à Valmorel? Oh, merci madame. Ou un mariage au Chabichou à Courchevel? Je sais pas, mais il faudra un véhicule pour y aller, non? Ça va, j'ai compris. On va voir la limousine. Bah, et alors, messieurs, dames, pas avant le mariage? Ah oui, mais il faut se marier au bout d'un moment, madame. On est d'accord, mais laissons tomber la limousine, on peut aussi se marier chez nous. Mais ça veut dire louer tout le matériel. Et prendre un traiteur. Qui ça? Le nôtre? Non, les parents. Mais tu sais, il y a des agences qui peuvent se charger de tout. Elles se chargent même de trouver un DJ? It's me, Stéphane. Ton agence, elle peut trouver des petites filles maquillées en papillon? En lapin? En demoiselle d'honneur? Elle peut trouver Gandalf le magicien? Je suis un serviteur du feu secret, détenteur de la flamme d'Anor. Vous ne passerez pas! Waouh, super ton magicien, il fait apparaître des sous! Et tu sais, l'agence, elle prévoira peut-être la photo et la vidéo. Tu vois, c'est pas si compliqué, il y a tout pour réussir notre mariage. Alors, tu me la poses cette question? Chérie? Oui? Acceptes-tu que... Oui! Nous retournions au salon du mariage de Chambéry l'année prochaine?